L'importance de la vue dans le monde qui nous entoure, c'est extrêmement important. Écoutez bien, 80% des informations que l'on perçoit du monde viennent de la vue. Donc évidemment, des yeux. Sachant que sur les 5 sens, les autres 4 sens représentent seulement 20%. Vous n'avez qu'à faire un petit test, c'est tout simple. Si vous avez des enfants, vous leur faites manger, je ne sais pas, s'ils n'aiment pas le céleri, vous leur faites une purée de céleri, ils vont avoir les yeux, vont penser que c'est de la purée de pommes de terre et ils vont la manger. Tout comme vous pouvez faire des tests à l'aveugle avec du vin en fermant les yeux ou dans des verres noirs entre du vin blanc, du vin rouge, du vin rosé, etc. Et vous allez voir que on est trompé. Ce qui veut dire que les yeux sont extrêmement importants. Donc il faut impérativement préserver son capital vue. Et pour ce faire, il faut avoir des verres qui protègent. Alors qui protègent soit de la lumière bleue, soit du soleil, soit différentes pathologies, etc. Chaque cas est unique, je l'ai assez dit. Mais c'est extrêmement important d'avoir quelque chose de cohérent en fonction de soi, de ses problématiques et de ses habitudes de vie. Hein, quand je reviens à mon histoire d'aliments, je ne sais pas si vous avez déjà acheté des colorants alimentaires pour colorer des pâtes en bleu, etc. Et vous allez voir la tête. Et la tête des enfants, même la tête des convives, si vous voulez les surprendre. Comme quoi, le goût n'est absolument pas altéré avec ces colorants-là, mais la vue dit, oula, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je vais manger, quel goût ça peut avoir. On va essayer, mais les enfants souvent disent non. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez Atolaïstre.